Monsieur, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Around Bahreïn. Aujourd'hui, on se trouve à la gouvernorat de la capitale Manama et on va explorer ensemble un endroit très riche en culture et en histoire, 5000 ans d'histoire, en documents. On va explorer ensemble les traditions, les coutumes, l'artisanat, le commerce de Bahreïn. Alors, êtes-vous prêts? On y va! Le musée national de Bahreïn est considéré l'un le plus moderne et le plus raffiné des musées dans la région et aussi le premier dans le Moyen-Orient et le Golfe. Le musée national de Bahreïn a été inauguré le 15 décembre 1988 par le dernier émir de Bahreïn, Cheikh Issa bin Salman Al-Khalifa, qui est en photo à ma droite. Et j'aimerais bien vous présenter aussi le membre de la famille royale de Bahreïn, en commençant par Sa Majesté le roi Hamad bin Issa al-Khalifa, Son Altesse royale le Premier ministre Cheikh Khalifa bin Salman al-Khalifa, le prince héritier Cheikh Salman bin Hamad al-Khalifa, qui est aussi le vice-commandant suprême et vice-premier ministre. Qui s'appelle Bouchra et va être avec moi aujourd'hui pour vous présenter le musée. Voilà, c'est moi. Salut tout le monde. Moi, je m'appelle Bouchra. Qu'est-ce que ça veut dire Bouchra? Bah, Bouchra, ça signifie bonne nouvelle. C'est un nom coranique. Une bonne nouvelle. J'espère une bonne nouvelle pour tout le monde. Merci. Donc, avec Kautar, aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans le musée et ce qu'on va voir exactement dans le musée. Et dans le musée, on a des chambres ou bien des espaces qui sont divisés en commençant, comme vous savez, l'histoire de Bahreïn, comme Kautar l'a dit d'abord. L'histoire de Bahreïn, ça commence depuis 5000 années. Il y avait plusieurs civilisations qui sont venues à Bahreïn, en commençant par la civilisation de Belmoun, la plus vieille civilisation, suivant par le Telos, les Grecs, et finissant avec l'Islam. Dans le musée, vous pouvez trouver, en commençant avec les tumulus ou bien les tombes, et je vous parlerai aujourd'hui de ça, en suivant le Belmoun. Le Delmoun, c'était la première civilisation de Bahreïn, suivie par le Telos. Et ça, c'est tout, chaque place dans le musée a un espace réservé pour cette civilisation. Et après, on a un espace pour la culture et tradition, suivi par les commerces et l'artisanat bahreïni. Et pour en finir, dans le musée aussi, on a des galeries d'art contemporain très modernes. Et ici, dans le hall, normalement aussi, on l'utilise pour les événements culturels. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'anniversaire des 30 ans du musée. Donc, on a utilisé cet espace et des fois, on met des concerts. L'autorité du Bahreïn de culture et de l'antiquité utilise cet espace pour la culture. Donc, si vous êtes prêts, on y va, si tu es prêt, comme oui, bien sûr. OK, donc, yallah, comme on dit en Bahreïn. Venez. Est-ce que vous connaissez que Bahreïn est un archipel de 33 îles et des îles qui sont artificielles et des îles qui sont vraies comme Manama, comme Toubli, comme Sitra et Muharra? Les plus grandes, en fait, la plus grande c'est le Manama et la troisième plus grande naturelle, c'est Muharra et on a Sitra.
et une des troisièmes des plus artificielles, ce qu'on a vu avant, ce que Kaftar elle vous a montré, c'était l'île de Durrat al-Bahrain. Alors, mesdames et messieurs, Bouchra a choisi pour nous deux endroits aujourd'hui. Le premier, c'est... C'est les tumulus ou bien les tombes de d'Elmoun, civilisation. Ça a une histoire vraiment très magique et ça signifie aussi la signification, aussi le nom de Bahreïn. Ça vient des deux mers et les deux mers, c'est de l'eau salée et l'eau douce parce que Bahreïn était bénédit par le Enki. Enki, c'était le dieu de l'eau. Il a bénédié ce Bahreïn et du coup, Bahreïn avait de l'eau douce et on appelait Bahreïn la cité de l'immortalité. Ou bien la cité de l'éternité. Donc quand on boit de cette eau, ou bien qu'on mange la fleur ou bien on boit de l'eau et on mange la fleur qui est dans l'eau douce, on vit à l'éternité. Et en fait, cette eau douce et cette fleur dans l'eau douce, c'était l'huître. C'était la perle dans l'huître. C'est pour ça que Bahreïn est vraiment très connu par les perles. Et on disait quand on buvait de cette eau, on vit à l'éternité, ou bien il y avait un concept de réincarnation. Tant que Galgamish, il est venu ici à Bahreïn et il cherchait cette fleur pour chercher l'éternité. Et c'était aussi un point de rencontre pour les dieux, qui devenaient dieux, parce qu'ils vivaient à l'éternité. Je vais vous faire voir comment c'était ce concept des tombes et pourquoi ce concept de vie et de mort et comment elles étaient construites. D'abord, ces tombes-là. Ces tombes-là, elles étaient rondes, comme on voit ici en grand exemple, fait avec des cailloux et aussi on voyait il y a un squelette juste ici, il est en position, on l'appelle position fœtale. Pourquoi la position fœtale? Comme ça? Fœtale, c'est comme on est dans le ventre de notre mère. Parce que oui, on pense que le concept c'était on vient comme on y va comme on est comme on est venu au monde et comment on va revenir aussi. Donc si vous voyez ici il y a le squelette, l'âge de vie il dépassait pas les quarantaines et aussi il y avait des tombes qui étaient remplies d'une personne et d'autres tombes qui étaient remplies de plusieurs personnes de famille. Et ça représentait aussi la classe sociale de Delmoun de cette époque. Donc c'est vraiment une histoire très... C'est très intéressant. J'ai jamais entendu ça. Voilà, merci pour cette... On remercie vraiment l'autorité de culture et antiquité qui nous ont offert et aussi avec le groupe français. Surtout le docteur Pierre Lombard qui nous a donné cette possibilité, surtout pour le guide touristique licencié par l'autorité de tourisme et d'exhibition, licencié, il nous a donné l'opportunité de raconter l'histoire de Delmoun et d'améliorer un petit peu notre storytelling, comme on dit. Et je remercie beaucoup ça et au nom de tous les tour guides, les guides touristiques de Bahreïn. Et maintenant, on est au deuxième endroit choisi par notre guide touristique Bouchra, c'est la collection d'art de l'art contemporain. Personnellement, c'est ma partie préférée et Bouchra va vous donner une idée qu'est-ce qu'il y a exactement dans cet espace. Effectivement, bon, ici c'est une des galeries d'art contemporain que a le musée et le sujet choisi ou bien pourquoi ils l'ont fait pour montrer les cinq générations des Bahreïnis artistes qui montrent aussi le développement de Bahreïn, de Delmoun jusqu'à maintenant avec des pièces d'art, des tableaux comme on voit qui représentent un petit peu le Delmoun civilisation et en marchant vous pouvez voir ce que les artistes bahreïnis jeunes et vieux ce que l'art représente pour les bahreïnis et qu'est-ce qu'ils ont ils ont combiné un petit peu entre le patrimoine et l'art contemporain. Vous voulez voir? Venez. Waouh! Regarde où ça, ce tableau.
Ah oui, le magnifique tableau-là, il était conçu par Cheikh Rachid Al-Khalifa. C'est un abstract et aussi c'est un mixte entre media on canvas. C'est très beau. Allez voir. J'aime bien aussi. Regarde, c'est un tableau avec moins de couleurs. Ça, c'est un tableau fait par Ahmed El-Bakr et ça représente un petit peu le patrimoine. On voit le panier, ça a rapport avec la perle, le pearl diving ou bien la pêche de perles. Waouh, regarde-moi ça. J'adore les couleurs. Oui, ça c'est un tableau de Brahim Boussad et il l'a appelé gesture. Ça s'appelle gesture. Ça veut dire des gestes. Mouvement. Mouvement. Oh. Regardez-moi ça. Boujra, qu'est-ce que ça représente? C'est cette sculpture, ça représente le pearl, le pêcheur de perles, qui va d'accord. En profondeur l'amener, le diving. Et c'est conçu par Mehdi El-Bannei, l'artiste, et il l'a appelé Diver. Vous aimez? Mesdames et messieurs, c'était un épisode amusant avec Boujra aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses sur la culture et l'histoire de Bahreïn. On a appris les cultures, l'artisanat, le commerce de Bahreïn, l'art contemporain. Merci beaucoup Boujra. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre station et à la prochaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans votre programme Around Bahreïn. Aujourd'hui, on va découvrir un centre aquatique qui se trouve au sein d'un centre commercial, City Center. Venez avec moi. Est le premier dans le Moyen-Orient ayant des espaces ouverts et découverts en même temps. Vous avez 15 000 mètres carrés d'amusement. Wahoo vous offre plus que 13 activités ou balades aquatiques avec de 3 niveaux de difficulté. Facile, moyen et extrême. Est ouvert pour tout le monde et tout âge. Et ce que vous allez adorer, c'est que le centre est à la fois attaché au centre commercial City Center pour faire du shopping et il y a un espace ouvert. En plus de tout ça, le centre vous offre des cours de natation, de surf. Il organise aussi des fêtes d'anniversaire de vos enfants. Il offre aussi une soirée consacrée juste pour les femmes chaque mercredi.
l'heure qu'il y a trois niveaux de difficulté. Et bien sûr, moi, je ne peux pas être ici sans essayer le niveau extrême. Pas que c'est juste pour les enfants. Même les adultes comme moi peuvent s'amuser. Surtout si vous choisissez les niveaux extrêmes, c'est vraiment formidable. Alors, c'est la fin de notre station. Je vous vois dans les stations prochaines. À la prochaine! Mesdames et messieurs, salut! Comme vous savez, Bahreïn est riche en histoire et en culture. Et aujourd'hui, on va découvrir un aspect différent de Bahreïn, qui est le folklore et la culture bahreïnie. On va assister à une activité qui est organisée par l'autorité bahreïnie de la culture et de l'antiquité, qui date de 1935. C'est la bande musicale de Ismaïl Dawas. Vous voulez regarder? Venez avec moi! كل ما شافت لها زول العجيب ولعتني ولعتني في صغير السن مايم بحسوفة وش اسوي يا ابو ناصر عيني اللي غربرتني تشوفها هي 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 محسوفة شافت لها زول العجيب ولعتني ولعتني في صغير السن مايم محسوفا وش اسوي يا ابو ناصر عيني اللي غربرتني ايوه هلا باللي لفاني يا هلا به على دقات قلبي في غيابه هلا باللي بعد وشوق يا به عليم الله قلبي ما سخابه عليم الله قلبي ما سخابه هلا باللي لفاني يا هلا به على دكات قلبي في غيابه هلا باللي بعد وشوق يا به عليم الله قلبي ما سخابه عليم الله ايوه هلا باللي لفاني يا هلا به عدد دقات قلبي في غيابه هلا باللي بعد وشوق يا به عليم الله قلبي ما سخابه
وقلبي كم تحمل بغيابه هلا بالليل فاني هلا هلا بالدقات قلبي بغيابه هلا باللي بعد الشوق يا سلام يعطيكم العافية. الله يعافيك والله. شو كم صار لكم وانتم يعني مولودين الفرقة؟ والله الفرقة نفس ما تقولين يعني احنا متوارثين عن اباء. متوارثين؟ اي نعم. وبلشتوا كانه ب 1935؟ اي نعم. وتوارثت يعني اي نعم الفرقة تسجلت في 1935. اوكي يعني ما شاء الله. عندي يدي الله يسلمك. الله ويعني من اب اب عن جد. اي نعم. اي ماشي ان شاء الله المسيره ما شاء الله عليكم. نعم. كم يعني فرد فيكم؟ والله 30 30 30 35 بس شفت من شوي ان كانوا ناس برا المحل ما يشيلنا ايه. المحل كان صغير ايه. مو كلنا شوي الناس تريح نتعاون على الشغل ايه. هذه اول مره بتسوون فعاليه؟ لا والله على طول فعاليات في البحرين على طول مستمره. انتوا فرقتكم؟ اي نعم احنا نشارك مع جميع الوزارات هنا في البحرين على طول يعني. ايه ما شاء الله عليكم. ايه والحمد لله يعني. فالحين بعد يعني بدا الجو شوي يتعدل الحين بعد الفعاليات تزيد في البحرين يعني. صح. نفس الموسم الحين. والله الجمهور ناس ما شفتي يعني متفاعل ويانا ايه. ومستانسين الحمد لله. والاغاني كلها اغاني بحرينيه؟ والله نخلط. ولا يعني تخلطوا؟ لا نخلط. اي نعم. ايه. في اغاني بحرينيه. كويتي يعني من الخليج ومن الوطن العربي بس مشهوره ما شاء الله انا سمعت الجمهور كان وايد يتفاعل ايه نعم معاكم يتفاعلون ويانا لان كل مره الله يسلمك احنا يعني نتميز بشيء في التنويع ايه. يعني مو نفس الرذم ماخذين لا التنويع يعني حق جميع الجماهير تستانس يعني ايه. كل من ياخذ جوه ايه. وتعتمدون على شنو الالات الموسيقيه اللي تستعملون؟ والله في الفنون يعني احنا نشتغل جميع الفنون الله يسلمك بس اليوم طالبين منا ان نفس ما تقولين فنون يعني الفنون اللي قدمناها كلها على الطار والطبل ايه هنا. ما شاء الله عليكم وفي رقصات حلوه شفتكم ما شاء الله عليكم يعني هذه الله يسلمك
ناس ما تقولين روح العمل. إيه الواحد اللي قام زفن وسوى حركات وحرك. إيه صح. هاي روح العمل. إيه أنا وايد حبيت إن كلهم كانوا يضحكون وما شاء الله عليهم فرحين فيعطوا فرح حق الناس. هو قاعد يأدي ناس ما تقولين الفيلينج ماله أو الشغل اللي يحبه هو. إيه؟ يعني على طول بتشوفينه مبتسم ومستانس. إيه؟ ومرتاح والجمهور كله متفاعل معاه. والله استانسنا صراحه واحنا زياده. انا وايد حبيت الشو مالكم. والله الله يسلمك. ان شاء الله نشوفكم مره جايه في فعاليات اكثر. انا نفس ما قلت لك الحين موسم الفعاليات بدا. Vous avez vu l'atmosphère ici avec la bande musicale de Ismaïl Dawas. On s'est bien amusé ensemble. Comme on dit en bahreïni, c'était ajib. Ça veut dire fantastique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre épisode. Je vous vois dans les épisodes prochains. À la prochaine.